This is America. We pledge allegiance to the flag. Make sure you lock it into New York's only all-news station, 1010 WIM. Quand on découvre l'Odyssée américaine de Jean-Pierre Lafont, on pense tout à coup à un mot de Marguerite Duras, à une réplique qui disait « Hiroshima, tu ne connais rien à Hiroshima ». Et j'ai envie de reprendre cette réplique et de dire, à propos de l'exposition de Jean-Pierre Lafont, l'Amérique, mais tu connais rien à l'Amérique. Il faut que tu apprennes à découvrir la fabuleuse exposition de Jean-Pierre Lafont. I have never profited from public service. I've earned every cent. Ce que je voudrais ajouter, c'est que l'homme et l'œuvre sont totalement indissociables. Et donc, pendant qu'il découvrait la noirceur des ghettos noirs, par exemple, la pauvreté dans la Géorgie, et bien pendant cela, dans le même temps, il publiait dans des magazines internationaux. Donc c'est un homme qui peut être partout à la fois, qui a un regard transperçant sur toutes les sociétés, toutes les réalités et toute l'histoire de notre temps et des événements qui l'ont marqué surtout. Là, c'est le premier Gay Pride. Et pour marquer l'anniversaire en 70, tous les gays de New York et surtout le groupe Mattachine ont fait une descente et des lesbiennes et des homos qui sont partis du bas de la ville, de 23e rue du Soho, et ils sont allés jusqu'au Central Park, où ils ont fait, comme là, le contest de baiser le plus long, et etc. Et c'est devenu la première Gay Pride. L'époque des hippies, c'était Watkins Glen. Il y a eu 1 million de personnes dans ce festival de rock, et là, c'est Powder Ridge. Moi, j'étais à Monterey. Ah oui, en Californie. Oui. Ouais, ouais. This is America. Jean-Pierre Lafont, si vous deviez partir ce soir aux États-Unis, vous iriez où exactement? Si ce soir je partais, je prendrais un avion qui se pose à Détroit. Détroit est une ville passionnante, c'est une ville qui est un poumon d'acier des États-Unis et qui aujourd'hui, pour la deuxième fois, est tombée en ruine, est tombée en faillite et est en train de renaître de ses cendres sans la voiture cette fois-ci. Par contre, la ville tout autour appartient maintenant à des énergies nouvelles d'électronique, des petites compagnies, et cette ville renaît de ses cendres. Je crois que ça m'attirerait énormément de refotographier Détroit. En arrivant aux États-Unis en 1965, j'aurais pu penser qu'un jour, dans ma vie, j'aurais vu un président noir, où j'aurais vu le mariage homosexuel accepté. Quand on jure sur la Bible de devenir président, quand sur le billet du dollar on dit « In God we trust », on a confiance en Dieu, jamais j'aurais pu penser que l'Amérique aurait pu évoluer dans cette bonne façon, dans cette direction. Je trouve absolument admirable et j'espère que ce sera suivi par le reste du monde. Oh, it's the end of America's dreams. Oh, it's the end of America's dreams. Oh, say goodbye to your middle class means. Well, your father said you could be what you want to be. A rodeo clown for the president. We've got the Builder Bee. But when it's time to relax,
Miller stands clear, tier after tier. But you've got the time, you've got the time, he's got the time.